incroyable. Et je vous fais de gros bisous et on se revoit très très vite, je vous promets. Et on se revoit très très vite, je vous promets, je vous promets. Le sanglier. Et les gars, c'est le retour du vlog. On est avec trois acolytes, dont moi. Et bah, du coup, on est sur deux personnes en plus. Non mais les gars, c'est bon, c'est bon. Mec. Nous sommes avec Airplo. Rappeur, chanteur, interprète. Un prodige qui sais-je. Et nous avons notre conducteur, Bubs. Bubs, un petit mot. Bubs, conducteur, vlogueur, défrayeur. Et juste devant, nous avons nos trois autres acolytes qu'on suit à la trace. Non, mec. Dont un susnommé. Susnommé. On va pas citer. Exactement. Ça fait 3 heures qu'on l'attend. Honnêtement, beaucoup de choses sont à venir. Nous allons voir. Ok les gars, c'est le retour du vlog, le vlogos. Il est 18h09, on part en direction de chez Loulou pour passer un très bon week-end à Clermont-Ferrand. On a un léger retard dû à personne. À une personne. Arrête. Susnommé et sucé pendant ce trajet, on ne saura pas à quelle heure. Voilà, on se tient en jus. Tchou-tchou, la commu. Ok, petit update. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Update. Il nous reste 20 minutes de route. J'ai faim, ça va être super. On arrête là. Bonjour à tous, le vlog. Quelle heure est-il? Il est tard. On arrive enfin à Clermont. Votre conducteur et réalisateur préféré. Salut. Ouais, globalement, à part les petits tout. Non, mais arrêtez de dire ça, je vais pas péter. C'est ce qu'il dit, mais l'odeur ne ment pas. Moi, personnellement, c'est la première fois que je viens et je suis très hype. Les gars, on est arrivé à Clermont-Ferrand. Ça y est, après une dure journée de labeur. On est à Clermont-Ferrand. Mais bien sûr, mec, on y est. C'est fort. C'est merveilleux. Ok, donc là on vient d'arriver à Clermont-Ferrand. Ouais. Et il y a Titou qui a pété dans l'habitacle. Oh, c'est pas moi les gars, c'est pas moi. J'ai pas pété dans l'habitacle. C'est pas moi. D'ailleurs, c'est le retour du vlog. On est arrivé. Voilà. Incroyable. C'est vrai que ça pue. T'as encore pété. Il a encore pété. Et je vais pas m'emmerder. Petit Becca. Petit copain. Je m'emmerde pas. Petit vlogos. On est où là? On est au Becca. Miam miam miam. On est posé. C'est délicieux. On est posé. C'est jeudi. Miam miam miam. C'est le retour du vlog. Comment allez-vous? On est au bowling. Attends, c'est pas le comme ça. Je vous aime comme ça, les gars. Moi, je veux faire ça là, ça a l'air trop marrant. En plus, c'est 15 là. Allez, à toi, pom-pom. Pom-pom. Excuse-moi, pom-pom, t'as choisi ta boule? Je suis en train de la trouver. Ah, bah elle est là. C'est le retour du vlogos. Oh. Yes. On est en boîte. Non? I'm blue, da petit, da buta, da petit. Okay. Ouais. Bon, ça va se chauffer après, là, il sent un peu froid. On a augmenté la température et... Tonight, et ça, c'est chaud, ça chauffe. On va faire le bowling, avant on attend juste. C'est 30 minutes. Ok, c'est le retour du vlog, on est au bowling. Et on est en train de faire des scores de malade. Wow. Papa. Là, Maxime, très joli score. 0. Alexis, 7. Alors, il est de merde. Et par contre, regardez, moi, c'est juste exceptionnel. Moi, j'ai 14. Louise, 37. Voilà. Allez, Thomas, le mastermind, le dieu de la pétanque. Bah, c'est pitoyable. Bonne soirée, allez. Vas-y. Terminé. De toutes ces règles. J'ai perdu au bowling. Ta gueule. Titou, il a pété. Titou, il a pété dans la bouche. Hein. On aborde. Second. Second. Putain, il est bien. Second.
Mais qu'est-ce qu'il a eu celui-ci? J'ai été gâté pour moi. Et j'espère que t'as un garage un peu grand parce que... T'as une application pour augmenter la réalité. Mais non, tu peux augmenter la réalité. Voilà, vache. Bonjour à tous, c'est le retour du vlog. Oh là là. Là, on est à Auchan, on va faire des courses parce qu'on va monter le Puy de Dôme. Il y a tout le monde qui est bien réveillé, on a pris des petites douches, certains ont fait des petits caca, c'était sympa. Tu dis vraiment. Voilà, je dis les termes à un moment. C'est le retour du vlog, il y a Titou qui parle de ses caca et de comment il a gagné de l'XP. On est en train d'acheter des petits fromages, du petit pain, un beau gosse. Bon, les dinos, attends, j'ai pas changé. Adrien, viens voir la fronte. Ah, je suis. Et l'obus explose. Hein. L'obus explose. C'est quoi ces sucettes? C'est des renards. Regarde, il fait. J'ai eu peur. Ouais, comme vous vous en doutez, il y en a qui travaillent et puis il y en a qui sont en train de faire les cons. Et c'est. Pas nous qui travaillons. Je suis en train de porter le sac de pain. Voilà, un travail très dur. Et là, le travail, choisir la quille devant. Ferrari champion du monde plus rapide que Choumi, ça va paniquer et partir en fumée un peu comme Choumi. Salut le vlog, regardez où est-ce qu'on vient d'arriver. C'est le magnifique Puy de Dôme avec des petits parapente. C'est stylé. C'est stylax. On va devoir monter ça à Yep. Et après, petit pique-nique au sommet. Moi, sur l'échelle du vomi, je suis à 45% à peu près parce que ça tourne pas mal. Ouais. Et j'essaie d'y aller mollo. Mais j'espère que ça va bientôt s'arrêter parce que j'ai quand même envie de monter là-haut. Salut à tous les petits amis. On est au Puy de Dôme. On est en bas au parking. Tout le monde est chaud. Et après... Ça a l'air abrupt. Abrupti. Les boulets, ils vont bosser là. Je peux te dire que là, t'es mal les chaussures. C'est des Nike. Ça va être sympa, on va faire une petite marche très abrupte. C'est-à-dire, c'est à peu près comme ça, de 45 minutes. Rien que les 20 mètres là, ils me font peur. Oui, mais moi aussi. Rien que les petits escaliers qui sont là, moi j'ai un peu peur. Eh ben, on est pas dans la dernière. Allez. Bon, ben voilà, c'est la randonnée. A tout de suite. Bon, début de la rando, heure zéro, on va essayer de faire un petit débrief en fonction de notre état de santé. Moi je trouve ça un peu dur pour l'instant. Oh non mais t'as vu comment ça va un peu là, approcher là. Donc voilà, on va essayer de voir. Hein. Les 20 premiers croiser les doigts. Ils sont pas faciles. Les pompiers c'est le 18, hein, si jamais. Puis à toutes. Bon, là c'est la désillusion du groupe. Ague. Y a un ascenseur, ça monte un peu haut quand même. Et on est déjà fatigué là. Il y a un ascenseur caché, il y a un truc. Oui, mais je suis sûr qu'il y a un petit truc, un escalator. Faire, hein. C'est un peu dur là, je vous avoue. Ça fait 2 minutes qu'on marche. 13h24, je souffre. 13h25 aussi. 13h26, je me demande où est mon Ricard. 13h27, j'ai mal aux jambes. 13h28, j'ai plus de souffle. On a oublié le cul dans la voiture. On a oublié le cul. Oh non, on redescend. 13h31. Je panique. On aurait pu le faire. Hein. C'est dur là. Ouais. La côte, allez, salut, c'est pas une côte. C'est une pente. Je sais pas. C'est bon, on est arrivé. Tout va bien. 13h34. Ça fait 5 minutes qu'on marche. Non, je suis bien. Regardez, c'est une pente. C'est droit comme un pic. Pourquoi ils nous attendent pas? Là, ils nous attendent, mais oh. Salut pauvre. C'est le retour du Bleuil. On est encore très loin. Mais il y a Pompon qui est en train de mourir. Et eux ils avancent. Et puis il y a les autres qui sont tout derrière. Eh, ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais, ça remonte. Oh putain. Retour du vlog. Ça va, on commence à prendre le rythme. C'est dur. Ça va, on commence à prendre le rythme. Mais par contre, est-ce que ça vaudrait pas un peu le coup pour avoir une vue comme ça, quoi. Ça vaudrait pas un peu le détour. Lise, elle est toute seule. Est-ce que ça vaudrait pas un peu le détour? Lise, elle est toute seule.
On est bientôt arrivé au sommet avec le frérot Titou et la vue magnifique. On va le faire. On a quel virage là Titou? 14,5 mec. Virage numéro 14. Je sais pas combien il y en a, je pense. À 15 apparemment. Non. 16, 17, doit y en avoir 17 je pense. Bon. On a réussi. On est les premiers avec Adri. On a dit qu'il y avait une charge de 5 kg supplémentaire. Bon là c'est un tout petit aspect, ce qu'on peut voir en haut. On va attendre les derniers collègues. Après on va visiter tout ça et prendre une petite douche. Bonjour à tous, c'est Bubs, troisième de la course. Et là, les retardataires. Mais l'important c'est pas le score, c'est d'être arrivé. C'était pour vous. Allez les gars. Facile hein, on se le refait. On se le refait en courant. On se le fait en marche arrière. Et là c'est du temps superbe quand même. Il fait zéro froid ici. Popo, tu l'as fait. J'ai jamais vu ça. Sans crise d'asthme. Sans rien. Après 30 minutes d'attente, les deux titans sont là. Bien joué. Vous l'avez fait les gars. Belle réussite. Bah on redescend maintenant. On a fini de goûter nous. Ça me panique un peu. J'ai l'impression que je vais tomber à travers, qu'il y a un truc qui va tomber. Il y a pas à dire hein. J'ai bien y aller là-bas moi. On va y aller, je crois. J'aurais préféré le parc Spirou mais là on va bouffer. Bon, c'est sympa quand même. Bon. Regardez comme on est beau. Il a dit quoi? Sweet. Il est chelou. Bon. Et donc ça c'est beau. Je pense que c'est de l'allemand. L'elfique. C'est de l'elfique pour dire beau gosse. Ouais les gars. Mec. T'as tout gâché. Allez. C'est le retour du vlog. Apéro. Tu veux du rosé, je suppose. Ouais. Ah ouais. C'est avec un petit coup de flotte. Tout gros. Wouh. Et c'est le retour du vlog. Oh la vache. C'est beau. Oh, je suis mort. Oh, il a un coup d'œil. Oh, le Bubs, il a un coup dans le pif. Il se bouge, il est fou là. Bon, bah là, on est en train de faire la descente. Et je vous avoue que je tiens plus trop de goût là. J'ai bu un peu de rosé. Mais. Thomas aussi il est mort. Mais on va un peu rouler pendant la descente, ça va être sympa. C'est les loin, fort fort lointain. Alors comme son nom l'indique, c'est fort fort lointain. Eh Shrek, on arrive bientôt. Pas les boutons. Eddie Murphy. Eh Shrek. Oh mec, la descente est mieux que la. Oh c'est incroyable. Je suis le gardien. J'ai suivi la formation. Je suis le laitier. Mon lait est délicieux. Oh non, pas lui. Oh non. Je laitier. Oh. T'as pas l'air. Bon alors, ce qui s'est passé, on fait la petite descente tranquille. Là, il y a I Want to Break Free joué à la flûte de Pan avec 10 personnes autour qui chantent. I Want to Break Free. Donc, moi, Freddie Mercury, obligé de chanter. Voilà. Moi, alcoolique, obligé de boire. Il se trouve qu'ils avaient un cubide rouge dans leur main. Bon, il y en a qui ont plus bu que d'autres. Mon t-shirt a tout bu. Il a tout pris. I Want to Break Free. Ça va être tranquille. J'espère qu'on rencontrera un autre groupe de Polytech. Ouais, voilà. C'est sympa. On en avait pas besoin, mais ça fait du bien. Hein? Je t'ai déjà vu. Ouais, je crois un truc comme ça. Elle m'a dit mais vous êtes à Polytech, vous aussi. J'ai fait Donne le rouge. Et donne le rouge. Elle est toujours debout. Hein. Le vlog à la mer. Mais sans la mer. Mais c'est beau. Bâtonner, c'est tricher. Parfait. On est mort. Les autres ils sont tous sobres, ils en ont marre de nous. Sobres du coup, mais attends, mais t'es bourré. Enculé. Et là c'est dur. Bâtonner, c'est pissé. C'est pas par là. C'est par là. Ok. Ils nous ont abandonnés. Oh, il y a le train. Super crise. Il faut montrer où je passe. Oh, il y a une branche. Oh. J'ai une baguette d'Harry Potter. Ok. On peut se défendre. Ils sont partis sans nous. Oh non. Bâtonnet, c'est triché. 58 ans. Oh, j'ai 58 ans. Oh, vous les faites pas. Oh.
C'est le retour du vlog. La vie t'a vécu. Donc, nanana. Le temps, Pardon. On vient de descendre tout en bas. On est tout en bas. Ok, on est réatterri en bas. La vie est belle à peu près. Il y a les autres qui nous attendent ici depuis 20 minutes. On est vraiment des connards. Je suis en retard, moi. C'est fou. C'est vrai qu'on est. Dès qu'on te suit, on est en retard. C'est fou ça. Et je profite. je me régale, merde. Merde. Et je vais pas m'emmerder maintenant. Bon. Je me suis fait boycotter de mon véhicule. Ils m'ont dit tu peux pas conduire. Il est bourré. Mais. Bien, c'est... Tout le monde a bourré. Mais non. J'ai pas pété. Et c'est Cubi ou Baguette? Je me suis fait boycotter. Oui. Ça va plus conduire. Bâtonner, c'est tricher. C'est le retour du vlog. On a fini la rando. On est tous morts. Bah, oh, on est un peu claquettes. Là, j'avoue que comme vous avez pu voir, la descente était pas mal. Funky. Elle était funky. Voilà, là on rentre, on va à l'appart pour repartir à Clermont faire des boutiques. Les boutiques! Les petites emplettes, je dirais. Les petites emplettes. Et voilà, bah, de toute façon vous allez voir, ça va être incroyable. Voilà. Tu vends beaucoup le truc. Je vends beaucoup. On sait pas, ça se alors que de toute façon ça va être nul à chier. Ouf, hein. Moi je pense que ça va être forcément bien parce que soir, dans l'état où je suis, ça peut être que bien. Ce soir c'est resto. Ce soir c'est resto. C'est quoi le nom du resto? Gustago. 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 Gustago comme ça. C'est de l'italien. C'est de l'italien. C'est de l'auvergne. Hey. Gustago. C'est le retour du vlog. C'est le retour du vlog. On est arrivé chez Louise. Tu peux venir avec vous? Oui, tu peux faire avec nous. Normalement, on doit repartir là. Là, on est censé repartir. Là, c'est la pire idée qu'on vient d'avoir. Là, c'est horrible. On va manger des cacahuètes. Ça a été dur. Le voyage est sympa. Là, faut qu'on y aille. Là, faut qu'on y aille rapidement, mais j'ai pas la vie. Là, on fait une petite sieste, là. Wow. Pas besoin de zoomer, hein. 5 cm, ça se voit de loin. Mais que pour le bouquet. C'est le retour du vlog. J'ai oublié de snapper, je suis désolé. Il y a eu des petites emplettes chez Lego et Bershka, mais surtout chez Lego. Regarde, montre-nous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un petit... Sakura. Un petit Sakura Bonsai. Waouh. Orchidée. Oh, une petite orchidée pour sa promise, pour sa promise. Et toi, Maxou? Moi, j'ai un petit scooter électrique. Non, véhiculant. Espèce d'écolo de mer. Hein. Je vote Yannick Jadot. T'es allé faire quoi comme emplette? Acheter un pull. Ok, t'as acheté. T'as acheté ouais, quoi? On vient d'y aller, on a fait Bershka. Mais t'as acheté pas un pull, mais deux. Non, c'est celui que j'avais avant. Ok, bon. Et comme il fait chaud l'intérieur. Ouais, ouais. Vous avez acheté quoi? Moi, j'ai acheté le bus, les gars. Ouais. Il a acheté le bonsaï pour les... Il est beau hein, quand il donne des ordres. Bonsoir à tous, c'est le retour du vlog. Là, on est en train de partir pour aller au restaurant. Parce que bah, c'est le lendemain de l'anniversaire Maxime. Bon lendemain d'anniversaire Maxime, je t'aime. On s'est tout fait beau, enfin à peu près. Et voilà. On va prendre le bus comme bah, les prolos qu'on est. Parce qu'on n'a pas de limousine. Et voilà, la vie est belle. Alors on fait quoi là Thomas? Ah tu m'as posé. Pardon. Alors toi? Oh mince. Bah on s'emmerde pas, alors on va se régaler quoi en fait. Et on va où? On fait quoi? Je sais pas, on fait quoi? On va au même arrêt que tout à l'heure, c'est tout ce que je sais. Ouais, on va au restaurant. On va au restaurant. Toi, t'as rien suivi. Hein. T'es à Clermont ou what? Du vlog, on est avec Erzo. Oh là là, isolé à l'avant du bus parce que personne nous aime. C'est vrai, c'est vrai. Et mais là, il y a Dark Maul. Titou. Dark Titou. Le Seigneur Sith. À la voisine. Toucher la chatte à la voisine. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On est où? Là, on va direction Restaurante pour bien se régaler un peu. Et c'est quoi le nom du restaurant? C'est Gustanto. C'est pas ça. Mais bon, on y va. Je sais pas où c'est. Ça, bon, voilà. On a mal aux jambes. En tout cas, on a mal aux jambes. Parce que bah, je vous rappelle qu'on a fait l'ascension du Mont Blanc. Et voilà. En tout cas, c'était cool. C'est le retour du vlog. On est au restaurant. Je suis à côté de Pompon. Coucou Pompon. Je
suis en face de Louise, il y a Maxou, il y a Adrien, il y a Erzo et il y a Thomas. Oh là là, ils sont beaux. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est l'heure de manger à Loustagou. Retour du vlog. On est toujours au restaurant. C'est une dédicace à Pierre. Pierre, je t'aime. C'était en galère, ouais. Genre, gros bisous. Est-ce que tu l'as eu, la scène? C'est pas ton meilleur prénom. Ils ont un peu merdé. Il y a Titou qui a envie de mourir là. Là, c'est un resto où on ne mange pas, on fait que boire. Ça s'appelle un bar. Il y a plein de trucs à partager. Il est complètement. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Wouh! C'est de la colle. C'est de la colle, il y a de la triche. Alors la ligne. Mais ça c'est pas normal. C'est ah, vous avez vu, vous avez vu ou pas le regard du monde de la longueur de l'aligo, 12 mètres. Personne n'a vu ça. Ah ouais, jamais vu ça. Un mec qui prend son aligo et il essaie de la faire filer. Regardez la petite plateau dégustation. Ça a l'air bon. Il a de tout. Il ne sait pas même pas quoi piocher. Attends. Joyeux anniversaire Maxime. Joyeux anniversaire. J'avais le bougnac en fille. Oui. C'est fini. Ouais. Bon anniversaire Maxime. Ok les gars, on est avec Erzo. Le petit mot de la fin. Masterclass. Second. Et c'est le retour du vlog. On vient de sortir du restaurant, c'était sympa, vraiment sympa, vraiment un bon repas. J'ai un peu trop bu par contre. C'est... Et là, on va à l'appart avec les gars et bah, tout le monde d'ailleurs, de toute façon. Pourquoi je précise ? On va à l'appart, c'est un bar ambiance à ce qu'il paraît. C'est un bar ambiance. C'est un bar ambiance. On va s'ambiancer à l'appart. Ok, voilà. Pour toi là. 1, 2, 3, 6. Je fais une petite explication de texte. On est à l'appartement. C'est de la merde. Non, l'appart c'est trop bien, montre un peu ça. T'as un peu ça mon pote. On est dans une salle de bain. C'est bon pour vous? Mets un peu derrière moi. T'as pas regardé derrière moi? Non. Attends. Ça va, c'est pas sur son compte. Alors que t'as vu, ça s'est tenu un ensemble à un moment. Il fait très sombre. Si c'est que ça le problème. C'est le retour du vlog. On est dans un bus scolaire. Là on est vraiment dans le bus. Oh, tu fais la gueule quand t'es chauffeur de nuit. On part à Poudlard là. Gryffondor, j'arrive. Prépare tes balais. Ron Weasley. Harry, donne-moi mon donut au sucre. Sucré. Au sucre. Il y a Hermione au fond là-bas. Oh, Hermione, elle a envie de sucer là. Ok. Bon. Where are we going, guys? Bah écoute, là on est en train de rentrer à deux pas de la maison de Louise. Non, on est à deux pas. Putain, deux pas quand même. Oui, un petit résumé de la soirée. On a testé un petit bar ambiance qui s'appelait l'appart. Et ça faisait vraiment appartement, tu vas à une heure, tu connais personne, t'es invité au Bifort, t'as ramené zéro bouteille, tu te fais un peu chier. C'était quoi. Et tu fais Bifort dans la cuisine. C'est ce qui s'est passé. On aurait dû s'arrêter sur le bain. C'était même pas la cuisine, c'est la salle de bain. C'est le retour du vlog. On est en train de se préparer pour dormir. Yes. Bah, il a disparu. Okay. Oui, il est parti pisser. Ce soir, on dort avec Titou et Erzo et plus loin, Maxime et Loulou. On espère que ça se passera mieux. Bah, je quitte une barque touée. Une barque touée. On n'avait pas d'oreiller. Attends, il est où l'oreiller? Je gagne un lit. Tu gagnes de la luxure, mec. Je gagne un matelas. En fait, imaginez un parpaing et vous dormez sur un parpaing. J'ai dû sortir. J'ai dormi sur ça, moi. C'est un parpaing. Sur ça, et un matelas gonflé. Non, mais attends, fais voir. Parce que même si tu le plies en 4, gros, non, ça te fait plaisir. Même pas. Aucun plaisir. Ça te fait même pas un oreiller, genre. Aucun c'est, plaisir. Soit c'est trop mou, soit c'est un parpaing, gros. Salut à tous. C'est le retour du vlog, on est dimanche matin, il est midi 34, voilà. La vie est à peu près belle, je commence à avoir un petit peu faim. Mais voilà, tout le monde est à peu près heureux, ça se voit, hein.
Oh. Il veut quoi, Julius César, là? Monsieur Connard. Et là, le Peter fou. Non, arrêtez donc. Le Peter. J'ai dû péter une fois en 3 jours, frère. Ouais, gros menteur. Ouais. Ouais. Il a pété, mais en continu, en fait. Je crois qu'il y a une bagarre. Erzo, comment tu te sens? C'était un bon dimanche matin. Nous passons tous du bon temps, surtout Erzo. Donc, quand tu entends le clic sous le dos, pour toi elle est ouverte. Alexis? Bah, allez, non, moi c'est la, c'est le bruit de la voiture. Ouais, la voiture, ouais, okay. Moi aussi. On est d'accord. Okay. J'ai pas que la clé. Pas moi. Du coup. Ah, y a que ça, c'est que ça ton explication. Mais il a pas appuyé assez fort sur le truc. Mais en fait j'appuie moi quand j'entends le clic. Alors ça, je vous le dis, ce sera jamais dans le vlog. Montre jamais ça à personne. On est au Burger King encore une fois parce que bah, c'est typique de la région. Il a rien à dire. Ah, un petit truc à dire. Bon. Je sais pas. Ça marche. C'est le retour du vlog. On vient de finir de manger. C'est l'annonce du départ qui se profile à l'horizon. Un peu triste. Non, un peu content. Ah, ok. Ok, bon. Parce que c'était bien, mais. Okay. Fallait bosser demain. Faut qu'il y ait une fin, quoi. Voilà. Normalement, bon dodo surtout. Normalement, c'était un week-end très intense. On a fait plein de trucs. On a bien mangé. Des trucs très typiques de la région. Mais on part quand même à un regret. Il y a un magasin qu'on aurait bien aimé. Ouais. Il y a un magasin qu'on aurait bien visité, mais malheureusement, c'était fermé. Ouais. On y reviendra peut-être l'année prochaine. J'espère. C'est mon seul regret, moi. Perso. Pareil. Que dire de plus? J'ai perdu au bowling. Allez, bisous! Du vlog, et là on en est où? Let's go! On arrive dans 20 minutes, ce qui veut dire combien en anglais? 20 minutes! Une 20 minutes. Oh, ma coupe s'est dégradée en 5 minutes. 20 minutes, on est arrivé. Puis voilà, là sera la fin de ce magnifique week-end. Et demain, c'est boulot à 8h. C'est le retour du vlog. Enfin, c'est la fin du vlog. C'est et c'est l'heure du débrief surtout. Titou. Notamment, c'était un week-end très éprouvant avec beaucoup de hauts. Mais j'avoue que la montée du Puy-de-Dôme a été dure. C'était le plus haut, quoi. Ouais. C'était une bonne vanne, ça, Titou. C'était très haut. Voilà. Beau jeu de mots. Bien joué. Honnêtement, c'était un très bon game avec beaucoup de haut, mais la montée du Puy-de-Dôme était assez compliquée. Et il n'y a pas obligé de me répéter. Moi j'adorais le Puy-de-Dôme, c'était extrêmement facile. Non, pas du tout. Non, c'était un très bon week-end, très heureux d'être parmi cette équipe. C'est pas drôle, moi. C'est beau ce que tu nous dis. Et merci à Louise et El Chabo de nous avoir accueillis, c'était très appréciable. J'ai bien dormi. Qu'est-ce qu'on disait? Pour faire caca? Non, je vais pas faire caca. T'as passé un bon week-end sinon à part le caca? C'était un très bon week-end, mais là faut que j'aille. Ok. Bon bah. Allez, c'est sûr. Ouais, bah c'était. Comme d'habitude. Très bien. Merci à Louise et Maxime, surtout. Puis petit message à nos Pierre et Enzo nationaux qui nous ont manqué. Voilà. Tant que ça, non, mais je vois pas. Personne n'a manqué. Voilà. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. C'était incroyable. On remercie encore une fois Louise et Maxou. On re-souhaite un bon anniversaire à Maxou. Parce que bah, c'est un peu ses 26 ans là. Bon anniversaire Maxou. Bon anniversaire Maxou. Et on se revoit pour le prochain vlog. Salut!